I was that girl that was like, I don't need a man, and you know, if he doesn't like me for me, then that's his problem and I'm not gonna change, and he needs to accept me for me and blah blah blah. And there was something that my ex had said to me when we were breaking up that really really stuck with me, and it was, you're too independent. And I was always like, what the fuck do you mean? Like, isn't that a good thing? Like, don't you want to be with a girl who is not, you know, depending on you financially or depending on you for everything? And isn't that attractive that you're with someone who can like hold their own? Je sais plus où j'avais entendu qu'il est parfois mieux de désapprendre ce que tu as déjà appris au lieu d'apprendre de nouvelles choses. Et juste déjà en désapprenant ce qu'on t'a toujours appris, les disquettes que tu as mis dans ton environnement, hein, on sait c'est qui, et ben ça te permet d'obtenir des nouveaux résultats. C'est un peu comme faire de l'argent, par exemple. Si tu veux changer de vie financièrement, il va falloir désapprendre ce qu'on t'a déjà appris. C'est ce que je te partage dans mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. En gros, étape par étape, je te montre comment créer ton business en ligne avec l'intelligence artificielle. C'est complètement gratuit. Avant de créer un arnaque, regarde quand même. I'm sitting here with just this horrible realization. I've been divorced for 3 years, and in that 3 years, I have spent most of my days figuring out how I can become physically, mentally, financially, spiritually healthy enough to be able to afford and take care of a child. And not only have I taken that time, but I've done the math, and it does not work out. I am not young enough, or fertile enough, or financially stable enough. To even do another round of IVF, and at 36, like, I'm sorry, like, you're gonna say, like, you have time, like, I don't. Because I can't spend another minute of my life trying to make something work. When I'm just fighting upstream. I don't have a support system. I don't have the money. I don't have the resources or the community. And it just kills me. It kills me that I had embryos with my ex-husband that were viable. And they're just gone now. And my future, my future with those children, and my life as a mother, is just, it's gone. And it's not just that it's gone, it's the fact that it was decided for me by so many other people and factors, and that's what kills me. Because it was not my choice. And I'm angry. And I'm heartbroken. Ouais, mais quand nous on vous dit de pas les écouter, de pas écouter ce mouvement révolutionnaire, hein, qui à mes yeux, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'apporte ce mouvement? Je ne sais pas. À part la zizanie. Mais au final, on va se baser sur des faits. Que ce soit fait de manière consciente ou inconsciente, je ne vois pas le positif. Ça vous conseille d'agir de manière opposée à tout ce qu'un homme recherche chez une femme. D'accord, alors au début, ça paraît cool, et tu dis de toute façon, on s'en fiche, on fait ce qu'on veut, etc. Ouais, mais au final, si jamais tu agis de manière opposée à tout ce qu'un homme recherche chez une femme, eh ben, il ne va pas venir vers toi. Ah, Géraldine. Ou sinon, tu vas finir dans la street éternelle. Hein, aller de gars en gars, ton body count il va continuer à augmenter jusqu'à l'infini. Ça vous fait croire que vous êtes comme des hommes, t'inquiète pas, t'as le temps. Ça vous encourage à profiter de votre liberté sexuelle, coucher avec plein de gars, attends, c'est ton corps. Tu fais ce que tu veux. Ah, mais bon, le problème, c'est que là, ça pareil, les gars, ils n'aiment pas trop.
tout ce qui est prostitution, c'est pas le, le critère qui, voilà, qui attire les hommes. En tout cas pour une relation long terme. Hein, je sais qu'il y a beaucoup de confusion. Donc à part si tu as prévu de rester seul toute ta vie et de vivre comme un homme, si c'est le cas, c'est bon. Mais si c'est pas le cas, je vois pas ce que ça apporte. À part gonfler votre ego, voilà, oui, on est les maîtres du monde, nanani, on fait ce qu'on veut. Ok, cool. Mais il y a le second effet qui se coule pour les anciens qui ont la référence. Parce que l'égalité des droits, ça fait longtemps que vous l'avez. Est-ce que, cite-moi un droit qu'a un homme qu'une femme n'a pas. Ça fait longtemps que c'est réglé, ça. Les femmes ont les mêmes opportunités que les hommes. Elles ont même un petit surplus, vu que ce sont des femmes, elles ont accès à la galanterie. Donc elles ont les mêmes droits que les hommes, plus elles ont le petit bonus de la galanterie. Les hommes doivent payer pour elles, les hommes doivent les protéger, etc., etc. Donc c'est bien là, c'est déjà bien là, non? Non. Elles ont dit non, je pense qu'on faut d'autres trucs encore. On va faire les prostituées. Donc elles finissent toutes dans le même piège. On leur fait croire qu'elles sont à leur pic toute leur vie, jusqu'à 85 ans. Voilà, pareil. Vous êtes comme des hommes. Les hommes, voilà, comme nous, les hommes, on vit comme le bon vin. Elles se sont dit, nous aussi. Ah bon, mais c'est basé sur quoi, toi? Non, nous aussi. Ah bon. Bon, ben, essayez pour voir. Comme les hommes, ils sont fertiles, ils peuvent avoir des enfants jusqu'à 80 ans. Elles ont dit, ah bon, vous aussi? Nous aussi. Voilà, on est pareil. Attends, vous pensez quoi, vous, hein? Donc là, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête, les gars. Hein? Et si tu oses leur dire. Les filles, j'ai l'impression quand même que votre théorie, je suis pas sûr que... Misogyne ! T'es misogyne, toi, homme des cavernes, macho, pervers narcissique ! Bon, non, bah, dis pas ça, mais peut-être. Non, mais surtout le problème des enfants, c'est vraiment... C'est quand même un truc grave. Tu vois ce que je veux dire ? On n'en parle pas souvent, mais des filles, dans son cas, il y en a, mais il y en a plein. Et c'est des décisions, tu peux pas revenir en arrière, c'est fini, c'est cuit. Si on t'a menti, on t'a fait croire que t'étais comme un homme, tu peux avoir des enfants à 36 ans, t'inquiète pas, t'as le temps. C'est des bêtises, c'est juste biologique, faut juste taper sur Google en fait. Parce que là, elle dit oui, c'est pas ma décision, etc. Ouais, mais bon, quand nous on te dit, tu nous écoutes pas. Tu écoutes tes copines du courant révolutionnaire qui t'a dit profite de ta jeunesse, fais ce que t'as à faire. On a le temps. Alors que la réalité est tout l'opposé comme ça se faisait dans le temps. C'est-à-dire que si tu veux une famille, tu veux des enfants, eh ben faut les faire durant ta jeunesse. Donc d'une part, dans ta jeunesse, t'es à ton pic et ça te permet de choisir le meilleur gars que tu peux avoir puisque t'es à ton pic, c'est juste du bon sens. Mais en plus, le pic de la fertilité, il est au même âge, à 23. Les deux, t'es à ton pic et le pic de la fertilité, les deux sont à 23. C'est biologique, c'est des faits, c'est pas moi. C'est bizarre quand même, comme par hasard. Mais non, t'as dit non, fais pas ça, profite de ta jeunesse pour vivre ta best life, hein, avoir un body count super élevé. Et quand tu auras 30 ans, ça y est, ça sera là, tu vas commencer à penser à faire des enfants. Hein? C'est ça que tout le monde pense aujourd'hui. C'est genre comment... Alors qu'à partir de 30 ans, c'est là que c'est compliqué pour avoir des enfants. Et tout le monde pense comme ça aujourd'hui. Où va le monde? Je ne sais pas. Qui réfléchit? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Donc aujourd'hui, les raisonnements, c'est... tu vas pas faire une famille? Oh, je suis trop jeune, attends, moi, j'adore 30 ans. Et des fois même... Non, tu sais quoi, je vais attendre 34. I think I'm a catch. Like, I'm successful in my career. I can hold my own. I'm financially independent. I have a great family. I have a good personality. I'm attractive. I had all this confidence. So I was like, why the fuck am I getting rejected? And what I realized through therapy and some of the people that I had spoken to was that I was just too much in my masculine energy. Naturally, I just have more masculine energy just based on how I was raised. I only have brothers. I had a lot of male energy around me growing up. I run two businesses, so every day I'm in that leadership mind. I'm in that, you know, like not harsh mindset, but very like masculine. So like, you know, leading, very driven, very ambitious, all that type of stuff. And what was happening was I was bringing that masculine energy into my dating world and into, I guess, relationships, and it was coming off to men. I was that girl that was like, I don't need a man, and you know, if he doesn't like me for me, then that's his problem and I'm not gonna change and he needs to accept me for me and blah, blah, blah. And there was something that my ex had said to me when we were breaking up that really, really stuck with me, and it was, you're too independent. And I was always like, what the fuck do you mean? Like, isn't that a good thing? Like, don't you want to be with a girl who is not, you know, depending on you financially or depending on you for everything? And isn't that attractive that you're with someone who can like hold their own? But what I realized is that men want to be with a woman who they feel they're needed by,
So that doesn't necessarily mean financial or anything like that, but like they want to be with someone where they're the leader in the relationship, they're making the decisions, they're caring for someone, because that's just naturally in them. So for me, I had to rewire my brain of thinking that just because I was letting a man care for me, and that I was going to be more feminine, that that wasn't weak or that I wasn't still independent. Alors sans vouloir être désobligeant, Géraldine, tu penses que tu es le prix, alors que tu es dans une position où c'est les hommes qui viennent vers toi. Si tu es réellement le prix, le gars que tu veux, tu seras déjà en couple. La question à se poser, c'est maintenant sur quels critères tu t'es basé pour penser que tu es le prix. C'est ça la question, Géraldine. Toi qui fais du business, tu as dit que tu fais tourner deux business. Tu comprends le système de offre et demande. Si tu ne corresponds pas à la demande, ça veut dire que ce que tu offres, c'est pas ce que le gars recherche en fait. Donc qu'est-ce que le gars recherche chez toi, le gars que toi tu veux, qu'est-ce qu'il recherche chez une femme? Voilà, sur quel critère? Sur le critère du mouvement révolutionnaire? C'est sur ces critères-là que tu te bases pour savoir si jamais tu le prends ou pas? Tout le monde est perdu. Donc oui, je te confirme que les hommes n'aiment pas les femmes qui ont une énergie masculine. Hein, ça les désexcite direct. À aucun moment, un homme recherche un homme. Hein? Voilà. Si t'es une femme, s'il veut un homme, il prend un homme, voilà, directement. S'il recherche une femme, c'est qu'il espère quand même que ça soit aligné, quoi. Femme, énergie féminine. C'est la base, ça te paraît logique, mais voilà. Je préfère rappeler les bases. Homme recherche femme. Voilà. Non mais, j'espère que je dérange personne. Évidemment, si tu rajoutes toutes les idées, oui, moi j'ai pas besoin d'un homme, je suis forte et indépendante, il doit m'aimer comme je suis, si jamais il n'est pas content, c'est son problème, je suis forte, c'est nous qui dominons le monde, blablabla, blablabla. C'est gentil, dans ton ego, j'imagine, ouais, tu te sens forte et tout, en plus tu as l'attention des hommes, et tu te dis, ouais, on fait ce qu'on veut, nous, jusqu'au moment, second effet qui se coule. Parce que les conséquences pour une femme sur ses choix, son mauvais choix plutôt, tu ne le ressens pas tout de suite. Parce que tu as toujours l'attention des hommes, les gens ils veulent coucher avec toi. Tu es dans la confusion parce que tu ne sais pas entre est-ce que lui il veut coucher seulement avec moi ou est-ce qu'il veut une relation. Donc tu penses que peut-être qu'il voudrait une relation, etc. Donc tu ne vois pas tout de suite, c'est pas la gifle, tu ne te la prends pas tout de suite. Et puis le temps passe et puis jusqu'au moment où tu arrives dans la stress éternelle. Voilà. Alors que l'homme, lui, c'est dès le début. Il fait mauvais choix, bah ! T'as pas d'osette, tu as vu chez tes parents, t'es en surpoids, bah ! Personne ne te calcule. T'as le respect de personne et aucune femme veut de toi. Au moins, ça s'est réglé. Bref, fermons la parenthèse. Donc évidemment, si t'as pas besoin des hommes et qui doivent aimer comme je suis, je n'ai pas à faire aucun changement pour un homme, je fais changement pour moi, blablabla, toutes les phrases qu'elles aiment bien dire. Au final, bon, voilà. Si nous ne correspond pas à ce que le gars recherche, il viendra pas, point barre. Ou sinon, il viendra juste te mettre un petit coup. Et après, il repartira. Et après, tu diras, mais les hommes ne veulent pas s'engager, je comprends pas. Donc, on est content de savoir que maintenant, tu vas agir comme une femme. Tant mieux, peut-être tu me diras, vaut mieux tard que jamais, c'est toujours ça. Mais c'est dommage d'attendre que la vie te gifle, parce que j'imagine que tu as déjà au-dessus de 30 ans. Si jamais tu as déjà deux business qui tournent, c'est que forcément tu as au-dessus de 30 ans. Mais bon, on te souhaite bonne chance. Mais tu vois, ce type de femme qui a une énergie masculine, et ça, c'est mon point de vue, hein. On peut en débattre en commentaire, t'es pas obligé d'être d'accord. Mais pour moi, à un moment donné, elle craque. Tu vois, être toujours dans une énergie masculine comme ça, t'es pas forcément designé pour ça. En gros, tu agis comme un homme constamment, constamment, constamment. À un moment donné, tu craques sous la pression, trop de pression. Ça, c'est mon avis. Are men unattracted to independent women? I was talking to my guy friend the other day. We're talking about just like independent women. I was telling him how one of my girlfriends, she's super independent. She does X, Y, and Z by herself. She's like such a bad bitch. And she doesn't need really anyone to count on. And he goes, let me guess. I bet you she is single. To that, I'm like, why? He's like, well, historically, men have always been, you know, the caregiver. Like, they usually have always been that breadwinner, right? Type sort of personality. And he goes, so that's why when women are too independent, they're too masculine and men find them unattractive. To that, I responded and I said, I think it's because 50% of men are average at best, okay? And as a woman raises her bar and she, you know, she starts to provide herself that validation, she, you know, does these things for herself and she counts more on herself to become more independent, her bar raises. Meaning that the men that can match her at that level are fewer men.
And so that is why these more independent women, you know, are typically, I guess, more single based off of what he's saying, because they just haven't found someone to match them at that level yet. Maybe independent women don't like most of the men now. Alors oui, tu dis quelque chose de vrai, mais tu as raté complètement ce que ton pote essayait de te dire. Tu as raison, vu que les femmes sont hypergames, elles vont toujours vouloir dater les gars qui font partie des 20%, 10%, 5% en fonction de sa situation. Donc oui, plus elle va monter en niveau social, financièrement, plus elle va vouloir un gars qui est au minimum à son niveau ou qui est au-dessus. Donc c'est une réalité que la plupart de ce genre de femmes n'est pas attirée par peut-être 90% des hommes. Là-dessus, on est d'accord. Parce que déjà, même les femmes normales, ok, genre moyennes, elles sont attirées par les 20% des hommes. Donc ça veut dire qu'il y a 80% des hommes par lesquels elles ne sont pas attirées. Donc ça, il n'y a pas de souci. Tu peux augmenter tes standards, ça ne pose aucun souci. Il n'y a pas de problème. Ok, ça, là-dessus, tu as raison. Cependant, le peu d'hommes par lesquels elle est intéressée, la vraie question, c'est de savoir est-ce que eux seront intéressés par elle. Parce que si jamais elle a une énergie masculine, qu'elle se dit j'ai pas besoin d'homme et que j'ai pas à changer pour un homme, etc., comme disait ta copine précédente, en gros, elle n'a pas les qualités qui attirent les hommes, que ce soit pour des hommes par lesquels elle n'est pas intéressée ou que ce soit pour des hommes par lesquels elle est intéressée. Les hommes, d'une manière générale, sont attirés par les mêmes qualités chez une femme. Donc le problème, ce n'est pas d'avoir des standards élevés, tu as le droit d'avoir tes standards élevés. C'est juste, comme je dis souvent, offre et demande. Est-ce que toi, tu corresponds à ce que lui recherche, l'homme que toi tu veux? Est-ce que tu as les qualités que lui recherche chez une femme? Parce que si tu correspondais à ce qu'un homme y recherche, eh ben ça poserait aucun problème. Tu pourras avoir des standards super élevés, ça poserait aucun problème. À partir du moment que le peu de gars, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000, le peu de gars par lequel tu es intéressé, ils sont intéressés aussi par toi, t'as plié le game. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. Que ce soit dans ta manière de penser, énergie masculine, forte indépendante, j'ai pas besoin des hommes, etc. Un homme recherche pas un homme. Et en plus, si jamais tu as une situation financière super élevée, c'est que tu as déjà au-dessus de 30 ans. Et le pic de la femme, c'est à 23. Donc les hommes que toi tu veux, ils ont accès aux femmes dans la vingtaine. Toujours pareil. Donc le problème, ce n'est pas que tu as accès seulement à un faible pourcentage d'hommes parce que tu recherches l'élite. Le problème, c'est que toi, tu ne corresponds pas à ce que cette élite recherche. Donc au final, on arrive dans une situation où toi, tu n'es pas attiré par 80% des hommes, peut-être même 90% des hommes. Et le 10% des hommes par lesquels tu es attiré, ils ne sont pas attirés par toi. Donc résultat, ça finit seul et misérable, avec des chats. Mais ça, ton courant révolutionnaire, il ne te l'a pas dit. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous, je suis à ton camp. Il y a un tout nouvel outil d'IA qui propose à partir d'un prompt la création de vidéos YouTube. Vous saisissez un prompt et en quelques minutes, il vous fournit une vidéo entièrement éditée avec une voix off, des images, des sous-titres et des transitions. Voici la plateforme et en tant que personne ayant créé des vidéos de ce type à partir de zéro, son utilisation a été juste incroyable. Voilà ce que nous avons par exemple. La France, la tour Eiffel, la mode et surtout, sa cuisine. Vous rêvez de régaler vos convives avec des plats français ? C'est parti. Je pense que t'as compris, c'est incroyable la vitesse où il a créé cette vidéo. Cela m'a vraiment fait réfléchir à la façon dont le monde de la création de contenu va changer. Il y a un lien dans la description si vous voulez essayer la plateforme gratuitement.